Merci. Nous sommes là ce matin pour lancer le processus d'élaboration de la lettre politique sectorielle et de développement du ministère des Postes et des Télécommunications avec l'appui du ministère de l'Économie et des Finances. Vous savez, maintenant au niveau de l'UEMOA, la tendance est d'aller vers les budgets programmes. Et pour cela, on a besoin d'avoir des documents de planification, notamment les lettres politiques sectorielles. Et je voudrais rappeler que l'élaboration de cette lettre politique sectorielle intervient quelques semaines seulement après que le ministère des Postes et des Télécommunications a élaboré la stratégie Sénégal numérique 2025. C'est pour donc dire que nous avons aujourd'hui des documents de planification dans le secteur. Et dans les semaines à venir, nous allons mettre en place également l'Observatoire national du numérique pour avoir toute la documentation nécessaire pour le développement du secteur des télécommunications et des TIC et des postes.